Côte d'Ivoire experienced a series of political crises from year 1999 until recently. As a result, one person out of two was considered poor in Côte d'Ivoire. Among young people, there were almost 4 million jobless. It was urgent to find a solution to create jobs for these young people and restore hope. That's the reason why SPF, with the agreement of Côte d'Ivoire government and the World Bank, decided to fund the Entrepreneurship and Urban Job Creation Program for young people in Abidjan. The program was started and at the end of year 2009, we were able to attract and train 100 young entrepreneurs. Depuis l'événement du propos Kuala en Côte d'Ivoire, j'ai compris qu'il y avait un besoin d'informer, d'éduquer la population sur l'environnement. Donc je me suis dit, il y a un besoin à satisfaire. C'est là que l'idée de créer un magazine sur l'hygiène, la santé et l'écologie m'est venu à l'esprit. The young entrepreneurs went through a capacity reinforcement program. They have their business plans and now they are in a position to start their businesses. TechnoServe nous a apporté une vision différente de l'entrepreneuriat. TechnoServe nous a donné la formation parce que nous avons tous des formations de base, mais pas nécessairement en entrepreneuriat. Ce qui fait défaut en fait dans la formation, on va dire, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, mais malheureusement, ils n'ont pas le savoir d'entrepreneur. Donc, on prend des initiatives, on a beaucoup d'idées, mais on gère mal nos sociétés. Donc aujourd'hui, TechnoServe a comblé cette carence-là. Donc, je pense que TechnoServe est arrivé à point nommé. Aujourd'hui, je suis capable de monter un business plan tout seul avec le financement que je viens d'avoir de la Banque mondiale, 25 000 $. L'entreprise va repartir sur de nouvelles bases. Le futur, nous avons développé ce qu'on appelle la vente en ligne. Le magazine peut être vendu partout dans le monde entier via Internet. I am confident for the future of this country. I'm sure that this country will be back to his former position of leadership in West Africa. State and Peace Building Fund has started to fund the IRC in Côte d'Ivoire since April 2008. For a large project in gender-based violence. We have five pillars for the project. One, prevention. Two, women empowerment. Three, response. Four, advocacy. And five, research. Over the last months, obviously, with the crisis in Côte d'Ivoire, we have faced some very difficult time. And the crisis has really had a large impact on gender-based violence in Côte d'Ivoire. We have witnessed a fourfold increase of cases during the peak of the crisis. One of the key things that has helped us is actually that we had the State and Peace Building Fund from the World Bank. Mais nous avons foi à la femme. Vous avez constaté avec moi qu'au plus fort moment de la crise, les femmes se sont dressées pour exprimer leur droit à la vie. Quand la guerre a commencé, nous avons fui. Pourquoi on était victime de viol? Nous avons créé une association en nous mettant ensemble et lutter contre ces violences. Nous travaillons en bénévolat avec l'ISC et c'est pendant les sensibilisations que nous avons fait des découvertes. Quand je partais couper feuilles en brousse, les garçons m'ont chassé là-bas pour violer. À cause de ça, je perds ou couper feuilles là en brousse maintenant. Les VBG nous parviennent à partir des groupes communautaires, à partir de la population, comme à partir des formations que nous faisons dans les centres sociaux avec IRC, quand elles s'en vont, qu'elles voient ces cas, puisqu'elles savent tous ces concepts de VBG, quand elles voient ces cas-là, elles nous font parvenir, n'est-ce pas, ces femmes-là qui subissent des violences. Nous avons vu une cohorte de femmes aller donc sur les différents marchés pour pouvoir s'approvisionner, pour permettre donc à leur famille de pouvoir survivre donc pendant cette crise-là. Cette espérance que nous avons, c'est que ces femmes-là qui ont montré cette capacité à transcender, à dépasser la difficulté, qu'elles puissent le mettre au service de la nouvelle Côte d'Ivoire que nous sommes en train de bâtir. The
Great Peace Building Project, we search for common ground, funded by the World Bank, builds bridges between the government, the civil society, media, and the ordinary citizen. This project has three components. The one is to work with the government on how to communicate on new reforms that aims to develop good governance and social cohesion. And the second component is to work with civil society, how they can play their role to contribute to promote peace, social cohesion, and also information on new reforms. And the third one is to work with media, particularly community radio. By working with radio, we produce programs, particularly a program called Synergy. Through this program, we have been sensitizing people on how to live together and work together and to support the new democracy in the country. Search nous a beaucoup appuyé, nous notamment Radio Étoile d'Annamé. Search a contribué à nous donner les techniques rudimentaires par les renforcements de capacités. Nous avons même profité pendant la post-crise, là, pendant le conflit, de faire une écoute préalable des émissions qui traitaient des sujets de cohésion. Où on peut arriver à la cohésion par les alliances interethniques et des situations de ce genre. Et nous rediffusons ce type d'émissions pour sensibiliser les populations sur le fait que ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Merci à Search for Common Ground pour leur approche de gestion des conflits qui marque un peu une différence par rapport aux autres ONG. Nous avons apprécié surtout la méthode de Search for Common Ground parce que chaque fois que nous avons eu à participer à leur activité, j'ai remarqué que Search for Common Ground impliquait directement les populations locales, aussi bien les autorités traditionnelles que les simples citoyens, et à travers leur formation et la production d'émissions radiophoniques. Cela a contribué véritablement à faire baisser la tension qui régnait dans cette zone qui était une zone très sensible. Les émissions de Search for Common Ground à travers la radio apaisaient quand même le cœur des Ivoiriens pendant cette période-là. Mais ici, il y avait une amélioration parce que les gens prenaient le temps quand même d'écouter la radio. Il n'y avait pas coup de fusil ici. Et par nos apports aussi, quand il y avait des tensions dans certaines localités, on intervenait en collaboration avec le préfet, le com secteur même de la place qui nous écoutait beaucoup. Ce n'était pas facile pour nous de nourrir des gens, les héberger et de les soigner pendant cette période-là. J'ai dit que c'est grâce à la formation qu'on a reçue à SH qui nous a permis d'avoir la capacité quand même de gérer tout ce monde. Il y avait près de 10 000 déplacés ici. Mon espoir pour la Côte d'Ivoire, c'est que la jeunesse se relève. Nous pensons que la Côte d'Ivoire a un avenir prospère. La Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire où la femme et la fille surtout ont le droit de vraiment jouir de toutes les retombées donc de ce pays. Oui, la Côte d'Ivoire peut rebondir, pourquoi pas. Parce que nous avons été dans une situation où les gens ont toujours vécu en parfaite intelligence. Donc une situation donnée a fait que les gens se sont laissés les mains. Et donc tout ce qui faisait que les gens s'attrapaient les mains, il suffit seulement de faire ressortir ces situations pour que les gens se souviennent de ce passé-là et puis cela sera fait.